la souveraineté de Dieu, la seigneurie de Dieu. Jodia, nous prenons nos textes qui c'est Ésaïe chapitre 40. Nous allons tenter de présenter la souveraineté de Dieu, la toute-puissance de Dieu, ou bien la grandeur de notre Dieu, le Créateur. Je vous invite pour prendre un petit temps, pendant une semaine, ça, ou bien peut-être pendant un jour, pour lire Ésaïe chapitre 40, un bel texte. Dans le commencement du texte, là, la parler pour le montrer. Façon mon Dieu pral servir pour le consoler peuple là, pour le consoler Jérusalem. Ou après texte a commencé par la voix de Dieu pour le dire consoler, consoler mon peuple, dit votre Dieu. Donc Dieu donne la consolation. Mais qu'on façon très spéciale, bon Dieu pral servir pour le capable bail peuple là consolation. Dans verset 5 dans Ésaïe chapitre 40, il dit comme ça, alors la grandeur de l'Éternel sera révélée. Ouais, qui façon mon Dieu choisit pour le capable consoler peuple là, bon Dieu pral révéler sa grandeur à son peuple, bon Dieu pral révéler sa souveraineté à son peuple, bon Dieu pral révéler à son peuple son immensité, sa toute puissance pour qui ça, pour consoler peuple là. Ça veut dire chaque moi-même avant à observer la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, la toute puissance de Dieu, la seigneurie de Dieu. Nous joignons assez de provisions pour que nous capables joignent la consolation. Son privilège que lié pour nous servir yon si grand Dieu. Yon Dieu qui n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière. Yon Dieu qui a toute autorité, tout pouvoir. Yon Dieu qui contrôle tout bagaille. Yon Dieu qui dit un bagaille, mais l'a pas accompli. Yon Dieu qui a un projet sous la roue. Personne n'est pas capable de bloquer projet, mon Dieu. Bagaille, ça va de consoler aux amis, moi. L'ont traversé quelques moments difficiles, ou sont pas capable encore. L'ont traversé quelques difficultés, ou sont pour contre, pas oublier. Observez la grandeur de Dieu, observez la souveraineté de Dieu. Songez que bon Dieu qui contrôle les temps et les circonstances et me garantit ou revenir la peine en cœur, c'est consolation. Songez mon Dieu pas jamais mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Songez que promesse mon Dieu l'a accompli quand même et ça a consolé. Mais texte là aller plus loin toujours pour le bail peuple là yon ti avant-goût yon étincelle de la grandeur de Dieu, de la toute puissance de Dieu, de la souveraineté de Dieu. L'elle rivé dans verset 12 pour arriver dans verset 31. Nous parlons 6 bagailles. Premièrement, il montrait que la grandeur de Dieu ou bien la souveraineté de Dieu se manifeste dans son attitude face à la nature. Ça veut dire, l'objet de comportement bon Dieu par rapport à la nature, gagne assez de preuves pour être réellement Dieu est grand, Dieu est souverain, Dieu est sans pareil, Dieu est sans limite, Dieu est réellement et absolument souverain. Verset 12 à verset 14. Attitude bon Dieu face à la nature. Premièrement, Dieu tient les océans dans sa main. Attendez, oui. Bon Dieu kembe les océans. Il dit dans le paume de sa main ou bien dans le creux de sa main. Ou qu'on doit tenter fermer main pour capable prendre un petit goutte d'eau. Il dit comme ça tous les océans, il y a un petit goutte d'eau dans main bon Dieu, tellement bon Dieu ça, il est grand. Pas oublier il dit nous gagner environ 7 grands océans, il y a un paquet de rivières. Il dit nous comme ça la terre est composée de 70% d'eau, de 30% terre. Imaginez ou pas besoin qu'à venir visiter tous les 7 grands océans, mais les 7 grands océans par rapport à Dieu, yo présenté yo petit goutte d'eau dans creux même bon Dieu. Ça veut dire yo presque pas signifie rien tellement bon Dieu nous en grand. Tellement bon Dieu a merveilleux. Et ça fait libre elle dit dans Ésaïe 43, même soit traverser les eaux pas cap submerger, les eaux pas cap noyer parce que bon Dieu qui contrôle d'eau yo. Gloire à Dieu. Elle a montré que Dieu tient non seulement les océans dans sa main, mais Dieu a fixé l'étendue des cieux. Il dit, bah, ciel, la limite, li. C'est vrai, l'on a gardé ou pas, on a un poteau qui kembe, voûte ça, mais bon Dieu, bah, ciel, la limite, li. Et Dieu connaît le poids de la terre et des montagnes. Li konn combien la terre pesée, li konn combien les montagnes pesées. Soumande l'en kilogramme, rapidement bon Dieu a baoulé, parce que dans sa grandeur, il connaît toutes choses. Il est le Dieu omniscient, il a la toute connaissance. Et li dit, dans fin verset 14 là, Dieu n'a pas besoin du conseil des anges,
ni conseil des démons, ni conseil des hommes. Dieu a sa propre volonté. Dieu est souverain. Il n'a pas besoin du conseil des anges, du conseil des démons ou bien du conseil des hommes. Parce que notre Dieu, il est souverain, il est grand. Donc, dans verset 14, verset 13, il montre la souveraineté de Dieu par rapport à son attitude à la nature. Deuxièmement, il montre la souveraineté de Dieu dans verset 15 à 17 par rapport à son attitude face aux nations. On voit quelques nations qui disent, bon, pendant telle période, j'étais la plus grande puissance mondiale, la plus grande nation du monde. Gardez l'attitude de bon Dieu dans Isaïe 40, verset 15 à 17. Dis comme ça, les nations sont comme une goutte d'eau dans un vase ou bien dans un seau. Par contre, si parfois, ou bien beau kit, l'autre petit goutte d'eau là, il y a un beau kit, la chercher l'eau pour être sous. Et c'est comme ça, oui, toutes les nations, yo paraissent devant l'Éternel. Yo ton kouti goutte d'eau. Nation kap di yo même, yo c'est première puissance, c'est moun ki pi riche, yo c'est plus grande nation, yo gen plus moun, yo gen plus zam nucléaire. La parole de Dieu nous dit, les nations sont comme une goutte d'eau dans un vase, ou bien une poussière sur une balance. Est-ce que yon poussière, l'on mette le son balance? Est-ce qu'on elle fait balance l'on tire sous qui colle? Est-ce qu'elle pesait? Non, elle pas pesait en rien. Par rapport à la grandeur de Dieu, notre Dieu, il est réellement grand. L'on considérer les nations, l'on considérer les grandes puissances, l'on considérer les cinq grandes puissances du monde, avec toute leur petite puissance. Yon dit comme ça, yon tankou yon grain de poussière sur une balance. Ça veut dire, devant mon Dieu, yon pas pesé en rien. Et d'ailleurs, il dit dans la parole là, Dieu soulève les îles comme si les îles n'existaient pas, comme si les îles ne pesaient rien. Une grande île, oui. Par exemple, Haïti, la République Dominicaine sont îles. C'est comme si bon Dieu t'a soulevé et bon Dieu n'a pas rien pour toi. Parce que notre Dieu, il est grand, il est souverain. Elle continue pour le dire comme ça, l'attitude de l'Éternel face aux nations, c'est comme ça, les forêts du Liban, il n'y a pas suffi, non? Pour t'a préparer du feu ou bien un bûcher pour capable consommer un sacrifice sur ta parole de l'Éternel. Les forêts du Liban, oui, c'est quand il y a des plus gros pieds bois qui gagnent dans le monde entier. Il y a des pieds bois qui gagnent plus qu'une centaine d'années. Yo dit comme ça, il y a des pieds bois pour mettre à faire tout lit. On prend n'importe 6 à 7 minutes pour faire tout pied bois, oui. Et il dit comme ça, tout gros pied bois ça yo qui dans les forêts du Liban, yo pas suffit pour t'allumer du feu pour offrir holocauste à l'Éternel, pour consommer un sacrifice à l'Éternel. Là les plus loin pour dire même les animaux pas suffit pour bay bon Dieu yo sacrifice en homme suffisant, parce que notre Dieu il est grand. La grandeur de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, serviteur Isaïe, l'a essayé ba nous, yon ti idée, mais l'employé un langage vraiment figuré, parce que li pa gen les mots nécessaires, les mots justes pour le capable aider de comprendre la grandeur de Dieu. Et zanmi mwen, c'est bon Dieu ça va servir, oui. Bon Dieu va servir, dit comme ça, les scènes du Liban, les forêts du Liban, pas suffit pour ta créer du feu pour consommer yon holocauste à l'Éternel. Les animaux, sous ta baye bon Dieu, li pa suffit parce que notre Dieu, il est grand, il dépasse tout bagay sa yon. L'arrivée dans verset 18 à verset 20, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, serviteur a montré lui face à l'attitude de Dieu face aux idoles. Même face aux idoles, Dieu est grand. Li commence pour le dire. Bon, à qui idole ou capable de comparer? Hein? On idole qui fait avec bois, yon idole qui fait avec l'or, yon idole qui fait avec métaux précieux. Je suis incomparable, je suis inégalable. Je suis totalement sans rival. On peut pas comparer à une idole. Je suis souverain. Je suis un Dieu sans limite extraordinaire. D'ailleurs, l'homme pour créer les idoles, mais c'est moi l'Éternel, qui crée les hommes. C'est ça, oui, l'Éternel a expliqué là à peuple. Pas oublier, l'Éternel a tenté de montrer sa grandeur pour consoler le peuple. Il dit peuple là, c'est vrai, c'est l'homme qui fait idole. Et idole, ça ne va pas voir rien. Mais qui est-ce qui crée l'homme? C'est moi-même qui crée l'homme. L'homme qui a fait idole, mais l'homme pas qui a fait l'homme. C'est moi-même qui crée mon gloire à Dieu. Bon Dieu a montré sa grandeur face à son attitude concernant les idoles. Et là, le plus loin, dans verset 21, verset 24, il a montré la grandeur de Dieu face aux puissants de la terre. Les hommes puissants, les hommes qui marquent l'histoire, les hommes devront parler dans telle période. Faut citer non yo. Ou qu'on est de qui est à parler dans période ça. Si on parle de l'histoire de grands hommes, et moun ou pas capable citer non yo. Font-ils comparer à la grandeur de Dieu?
dans Ésaïe chapitre 40 verset 21 à 24. Il dit que quelque soit monde là, les inexcusables, l'elle pas reconnaître ma grandeur, l'elle était ignorant par rapport à ma grandeur, monde ça les inexcusables. C'est même parole ça nous va joindre dans Romains chapitre 1 verset 18 à 23. Quel que soit grand homme, depuis ignorer la grandeur de Dieu, il n'y a pas qu'une vraie révélation et connaissance concernant la grandeur de Dieu, et bien, mon sali, inexcusable. Depuis, il dit comme ça, mon Dieu, chita sous trône, dans le ciel, là, la garde les habitants de la terre, qui t'en coude sautre lui, sautre la et criquette, oui, côté mon Dieu, chita sous trône, dans le ciel, là, les grands de ce monde, la garde yo, li oué autant que tu criquette, oui, li oué autant que tu insecte, oui, parce que notre Dieu, il est grand, il est extraordinaire. Dieu siège sur les nations et il regarde les rois, les grands de la terre comme des sauterelles. Il dit comme ça, Dieu lui réduit à néant les puissants de la terre. Dieu réduit à néant, elle dit, il fait apparaître comme qui pas exister du tout. Dieu réduit à néant les puissants de la terre. Et il dit comme ça, à peine ou planté yo, on l'autre moment ou chercher ou pas joindre, Dieu déplacé. Ça fait ça parce que on un petit bout de temps. Mais Dieu règne à toujours et à jamais. Le règne de Dieu est un règne d'éternité en éternité. Tout nègre ou senti qui gagne gros connaissance, qui gagne un pile puissant, qui paraît pour un temps après y a disparaître. Ou pas qu'à comparer yo à notre Dieu qui est grand, qui est éternel, qui est souverain. Le Seigneur l'a attiré attention peuple là pour peuple la consoler lui face à sa grandeur. Il dit bon grand homme ou est qu'a faut courir monter descendre bon nèg les organisab yo fait ça yo vle les m'a garder yo c'est pour petit temps yo là oui aujourd'hui ah ouais demain si veut yo disparaître mais moi l'Éternel je règne éternellement. Et là on prend verset 25 verset 26 toujours dans Isaïe 40 serviteur l'a comparé la grandeur de Dieu la souveraineté de Dieu face aux étoiles. Il dit, toutes étoiles qui dans le ciel là, qui est-ce qui crée yo dès le commencement? C'est moi, l'Éternel, c'est moi qui crée yo. Ou j'aime tant au monde créer une étoile? Non, non. C'est moi-même qui crée les étoiles. Et il dit comme ça, moi connais combien d'étoiles qui existent, oui. Je connais le nombre des étoiles. Ça veut dire, quelle que soit la quantité d'étoiles qui existent, l'Éternel connaît. C'est la grandeur de Dieu, là-bas, nos idées là. Et il continue pour le dire, non seulement l'Éternel connaît les étoiles, dans Somme 147, verset 4, il dit, chaque étoile, yon ba un nom. Il dit comme ça, le nombre des étoiles est comme le grain de sable de la mer. Sous table font expérience, leur rive sur un sable, ou la mer, ou ta pren, mais on mouille, les fini, on doit seulement, on doit mouille, les fini, ou mette l'en sable là. Les fini, on râle. Gat sou est sous ka compter, même non ti doit être, gat sou ka compter combien grain de sable. Et il dit, les étoiles dans les cieux, yo aussi nombre que le grain de sable de la mer. Ou pas j'aime qu'a fin compter yo, mais il dit l'Éternel donne à chaque étoile un nom. Et l'Éternel connaît non yo. C'est la grandeur de Dieu l'a décrit là. Bagaille vraiment extraordinaire. Zanmi moi bon Dieu ou observé a son bon Dieu qui est grand, li sans limite. Et pour terminer passage là, n'a aperçu que la baie de la souveraineté de Dieu, de la grandeur de Dieu. L'arrivée dans verset 27 à verset 31. Il dit comme ça. Bon Dieu, qu'on façon spéciale, oui, lui accompagner ses élus. Qu'on façon spéciale, lui accompagner les fidèles. Même yon même pas qu'à plaider à bon Dieu, non? Même les bon Dieu a levé yon dignité. Même les bon Dieu a soutenu yon. Même les bon Dieu a fait route avec. Même yon même tout, oui. Yo subi la grandeur de Dieu, oui. Yo vit par la grandeur de Dieu, oui. Il dit, moi-même, l'Éternel, je possède une puissance extraordinaire, une puissance infinie, une pensée insondable pour faire qui ça? Pour me capable accorder de la force à tout le monde qui met confiance en moi. Pour me capable accorder de la force à tout le monde qui appuie sur moi-même. Et pour terminer, peut-être ça, vous dire comme ça. La puissance infinie, moi. Dans puissance infinie, moi, je donne de la force aux élus pour être capable de marcher, pour être capable de courir, même les fatigués, même les bouqués, même moi-même, m'a soutenu, m'a renouvelé force, moi, m'a renouvelé vigueur, et pour être capable de faire voler comme des aigles, pour être capable de faire traverser les moments difficiles par ma toute puissance, par ma souveraineté. Zami, moi, c'est ça où bon Dieu réservé pour moi. Reconnaître la grandeur de Dieu et bail bon Dieu honneur. Pour sa grandeur, pour sa souveraineté, pour son seigneurie, son bon Dieu vraiment extraordinaire.
partenaires, nous pas gagne l'autre encore. Et on fier pour servir ce si grand roi, ce Dieu merveilleux, pas gagne rien capable comparer à la grandeur, à la souveraineté, à la toute-puissance de notre Dieu. Et c'est qualité bon Dieu ça. Consolez-vous par ces paroles. Il y a quelque bagaille ici bas qui échappe. Il y a quelque bagaille ici bon sentiment impuissant face à eux-mêmes. Il y a quelque bagaille ici bon sentiment y a tourmenté, y a bon problème. Bon Dieu ça, problème qu'a bon problème là l'Éternel qu'a bal problème. Maladie qu'a bon problème là l'Éternel qu'a bal problème parce que l'Éternel, il est grand. L'Éternel donne de la force à monde qui confie dans lui-même. L'Éternel donne de la force à ceux là fatigués. Même les fatigués, les doublés fonctionnent d'une façon très spéciale, les fait courir. Vous comprenez ça, comprenez verset ça? C'est pas le nombre des années où vivre sous terre qui est important, mais c'est ça qu'à l'intérieur de vous-même là, cette confiance où fait en Dieu. Et ça qu'elle dit, même lorsque notre être extérieur se détériore, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre être intérieur, nous trouvons puissance extraordinaire pour aller de l'avant. Dieu donne de la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Dieu augmente la marche de ceux qui sont fatigués et il les fait voler comme les aigles. C'est qualité, mon Dieu, ça l'a servi. Zami, moi, qu'est-ce que notre Dieu, il est grand, il est merveilleux, il est sans pareil. Qu'est-ce mon Dieu, servi, mon Dieu. Par contre, l'autre pas comparé. Pas bien dit, Dieu est incomparable. Dieu n'a pas de rival. Notre Dieu, il est incomparable. Notre Dieu, il est incomparable. Pas bien d'où, dans la souveraineté de Dieu, ça veut dire, bon Dieu, les grands mondes. Bon Dieu fait salver, l'élever, j'enlever, côté élevé, à mon livre, et tout autant qu'elle veut, et pas qu'il y ait monde capable d'opposer lui. Que vous croyez dans mon Dieu ça, vous l'avez toute la vie dans même, et qu'il fait route avec vous, parce que Dieu est grand. Dieu est souverain. Amen. Bon Dieu bénis. Bonne journée. Qu'est-ce que vous faites, mes bien-aimés?